Yahoo Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec un extrême plaisir pour l'ouverture de ce colis. Alors, à savoir que donc ça fait un petit moment que je devais passer commande, puis après, depuis fin décembre, en fait, depuis Noël, je vais absolument passer commande pour m'acheter ce qu'il y a à l'intérieur. Et je sais pas, j'ai laissé traîner comme un con, à chaque fois aussi je dépensais des sous qui n'étaient pas forcément prévus, donc je n'avais plus le budget. Toujours est-il, on va ouvrir le colis. Donc il est arrivé en super bon état. L'envoi a été moyennement rapide, mais dans les contextes où on était, c'est-à-dire confiné, je comprends aussi qu'il ait mis peut-être un peu plus de temps que d'habitude à être livré. Mais honnêtement, comme c'est la deuxième fois que je teste ce site, je ne peux pas juger au niveau de la rapidité d'envoi. Donc j'ai déjà pré-coupé le scotch. Et ce que j'aime bien en fait, c'est ce colis, il s'ouvre. Voilà, et ça je trouve ça cool. Parce que ça s'ouvre pas facilement. Voilà. Ah, ils ont fait des progrès depuis toutes ces années. C'est-à-dire, je m'explique. J'ai commandé 3 Funko Pop sur le site de Zavi, un truc comme ça, je sais jamais comment ça se prononce. Toujours est-il. Et il y a quelques années en arrière, peut-être 2-3 ans, je sais plus, j'avais acheté les Funko Pop de Death Note dessus. En précommande d'ailleurs à l'époque. Et en fait, figure-toi qu'à l'époque, ils ne mettaient rien pour caler. Ce qui faisait que j'avais une de mes boîtes qui était un petit peu abîmée. Et je trouvais ça dommage. Et là, en fait, depuis, en tout cas, moi, j'ai un truc. Donc ça, je suis très content. Parce que, mine de rien, ça évite que, là, du coup, les Funko Pop se soient abîmés pendant le voyage. Alors, quels sont les Funko Pop pour cette chaîne? Ce sont forcément des Funko Pop en rapport avec les mangas. Et pas n'importe lesquels, car ce sont celles du manga Yu Yu Hakusho. Et tu vois le sourire là qui vient d'arriver tout seul. Donc, on va avoir d'abord Kuwabara. Voilà, je les ouvrirai pour te montrer ça d'un peu plus près. Oh, la boîte... Ah non, d'accord. J'ai rien dit. Alors à savoir que j'ai déjà Kurama que m'a offert du coup mon paradis livresque à Noël. Justement, il me semble que c'était à Noël. J'ai ensuite Botan qui est en train de vouloir se faire la malle, clairement. Hein. On est d'accord, elle est en train de se faire la malle, Botan. On a ma petite Botan. Voilà, voilà. Et on a Yusuke Urameshi. Voilà. Alors, à savoir qu'il existe une cinquième pop, et c'est celle de Iei de Yu Yu Hakusho. Sauf que cette pop coûte un peu plus cher. Donc voilà, je suis trop contente parce que franchement, les pop de Yu Yu Hakusho... Bah en fait, si tu ne sais pas encore, Yu Yu Hakusho, c'est vraiment ma vie, ce manga. C'est un manga qui m'a sauvée au niveau des années collège. Alors j'essaie d'ouvrir sans abîmer, et je ne sais pas comment ils font les autres. Pour vraiment pas qu'il y ait de pliure. Et non, j'ai fait un pli sur le carton, voilà. Donc, je disais, à l'époque du collège, on m'a fait regarder ce dessin animé. Enfin, voilà. Et il m'a sauvée parce que Kurama, en fait, celui aux cheveux rouges, est un démon, un slash monstre. Hein. Dans le manga, c'est même utilisé le mot monstre plus que démon. Et figure-toi que, en fait, Kurama est aussi élève d'école et que c'est le premier de la classe. Alors, j'ai jamais été vraiment le premier de la classe, à part dans les matières scientifiques. Mais du coup, bah, je me suis un peu identifiée à lui. Je me suis dit, ok, lui, c'est un monstre et tout, mais il a une apparence humaine par rapport à d'autres. Voilà, du coup, Yusuke. Je te montre vite fait comme ça. Après, je te ferai vraiment le truc qui tourne. On va avoir ma petite Botan. Si toutes les boîtes pouvaient déjà être pré-ouvertes, ça m'arrangerait. Donc je fou de joie qu'ils aient sorti les Funko Pop. Il faut savoir que Kurama est certes le personnage qui m'a sauvé, mais mon personnage préféré est en fait Iei. Et beaucoup de gens pensent du coup que c'est Kurama que je préfère. Voilà Botan. Elle est trop belle. Et en plus ils ont bien mis son petit balai et tout, comme si elle volait sur son balai parce qu'elle est tout le temps sur son balai. Donc ça j'ai trouvé ça super sympa qu'ils y aient pensé. Enfin bon, après, hein, ceux qui ont créé ça, c'est des pros. Hein. C'est pas... Enfin, ils réfléchissent à tout ce genre de détails. Donc Kurama, ils l'ont peut-être mis dans sa tenue scolaire, mais ils l'ont quand même mis avec son fouet. Et Kurama sans son fouet, c'est pas Kurama. Quoi. Oh mince, elle a une petite tache. Oh. Ouais. Et Kuwabara, une petite tache sur les cheveux. Je sais pas si tu verras. Voilà, ah, la petite tache noire. Et donc voilà, ils ont bien travaillé par rapport à ses joues parce qu'il a vraiment les joues creusées. Enfin tu sais,
là vachement charnu et puis là très creusé. Donc c'est cool, ils l'ont vraiment joué là-dessus et ces grosses cernes. Donc je suis trop content. En plus, sa petite épée jaune. Ça, c'est toute une histoire sur l'épée jaune, n'empêche. Voilà. Cette vidéo est donc déjà terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est qu'elle, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi, depuis que tu me connais, tu t'as essayé de connaître la série Yu Yu Hakusho. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je pense, Funko Pop, parce qu'il y a quelques pop mangas, un peu de plusieurs mangas que j'aimerais m'acheter et je pense que je vais pas tarder à passer le cap. Je rachèterai aussi sur ce site parce que comme ça me permettra vraiment de le tester et de t'avoir fait 3 vidéos au moins minimum, parce que je trouve qu'une seule vidéo ne permet pas en fait de te donner un avis et de, avec le temps qu'il y a eu entre les deux commandes, il y a eu beaucoup trop de temps, je mets ici. Donc je préfère refaire une commande sur le site justement et t'en parler. Surtout qu'en fait ils font tout le temps une réduction quand tu achètes 3 pop. C'est pour ça d'ailleurs que j'achète souvent par 3. Mais il y a une réduction, c'est quand même vachement intéressant. Donc je t'invite à aller voir vraiment sur ce site. Et donc en plus comme le site est basé normalement, si je dis pas de bêtises, en France, il n'y a pas de frais de port. De frais de douane, pardon. S'il y a des frais de port, il me semble. Mais en tout cas il n'y a pas de frais de douane et ça c'est cool. Voilà, donc je te laisse là et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye!